répondu à l'invitation du Parti communiste français par évidence, parce que c'est un débat qui m'intéresse et que, je ne sais pas, c'est la famille, non ? Donc ça me paraît naturel d'être là pour ces lundis de gauche. Et le débat, en effet, est un débat difficile, je trouve, dans la période, parce qu'elle est brouillée, parce qu'on est face à un gouvernement qui mène au nom de la gauche une politique de droite, que les forces de l'alternative sont aujourd'hui dispersées. La chance, c'est qu'il y a sans doute une mobilisation sociale contre la loi El Khomri qui peut bouleverser le jeu. Et en tout cas, ce que je souhaite, vraiment de toutes mes forces, c'est que se rassemblent toutes celles et ceux qui sont opposés à cette politique gouvernementale et qui veulent construire une alternative de transformation sociale et écologiste. J'ai défendu ce soir l'idée d'une primaire, d'un rassemblement qui soit celui de la gauche de transformation sociale et écologiste et non pas de toute la gauche, parce que je ne vois pas comment nous pourrions faire campagne ensemble avec Manuel Valls, François Hollande, Emmanuel Macron, quel que soit celui qui remporterait la victoire de cette primaire.